Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match. Nous allons décortiquer ensemble la grille numéro 152 du Loto Foot 15. Validation avant samedi 14 décembre à 14h55 ici en heure locale. Mais avant cela, nous allons parler de Ligue des Champions puisque, comme vous le savez, la phase de poule de cette coupe aux grandes oreilles s'est achevée hier avec de belles, une belle surprise quand même, j'ai envie de dire. Ça s'est passé plutôt mardi. On va revenir sur ça tout à l'heure en compagnie de nos invités. Ils sont deux et ils sont donc à ma droite. Et à ma gauche, il y a donc Snorri Sénécal. Bonsoir Snorri, qui est à ma gauche. On est assis au lieu d'être debout, mais c'est pas mal, nouvelle config. Pas mal la config, c'est vrai. Ça fait un peu café, voilà. Ouais, ça fait cosy. Voilà, ça fait cosy. Cosy, voilà. C'est ça. Alexandre Giraud, qui ciao est à tutti. Voilà, l'Italien est de retour, vous l'avez compris. Piacere tornare qui in studio. Voilà. Eh bien voilà, vous avez tout compris, hein, comme moi-même, d'accord. Il est en tout cas le bienvenu dans cette émission en notre compagnie. On l'a dit, on va parler de Ligue des Champions, messieurs, dans la première partie de l'émission, l'actu de la semaine consacrée à cette Ligue des Champions. La phase de poule s'est achevée hier. Messieurs, deux clubs français vont disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et pour la première fois, en huitièmes de finale, on va retrouver cinq nations différents. Ça se referme, l'étau se resserre quand même, Snorri. Alors, pour ce qui est des résultats français, cocorico quand même, parce que, Lille, on savait que ça allait être une poule très difficile, avec des équipes beaucoup plus expérimentées que les Lillois. Par contre, beau réveil lyonnais, qui se qualifie à l'arrache avec toutes les histoires qu'on a vues, mais qui, l'important, il se qualifie. Et je ne défends pas toujours vraiment l'Olympique lyonnais, mais force est de constater qu'Olas l'a dit, 12 qualification sur 16 participations en huitième de finale, c'est quand même une belle stat pour un club français. J'espère qu'ils arriveront à passer le niveau au-dessus et qu'on va pouvoir avoir à nouveau deux clubs français en quart de finale. Je pense que c'est possible, ça dépendra des tirages bien sûr, mais le PSG avec la presta d'hier a vraiment montré que quand ils veulent s'y mettre, tous ensemble, ils sont vraiment très forts. Et puis Lyon, peu à mon avis, avec un grand de paille, avec peut-être cet effet les joueurs contre tous, vont peut-être pouvoir franchir encore plus de montagnes et peut-être toucher les quarts de finale. Est-ce que Memphis Depay n'est pas trop esselé dans l'effectif lyonnais? On dit que c'est le seul joueur de classe, on dira international, de cet effectif. Il est clairement au-dessus du lot. C'est peut-être pour ça aussi que Rudy Garcia lui a donné le brassard. C'est pas un hasard, après tout. Même à l'époque de Lille, il avait donné le brassard à Mavouba, qui était déjà le joueur qui avait le plus d'expérience en termes de grands matchs. À Marseille, c'est pareil, il avait préféré mettre en avant Payet. Plus que Mandanda. Donc là, encore une fois, Rudy Garcia préfère donner les clés au leader. C'est un choix assumé. Bien sûr qu'il est seul. Malgré ce qui s'est passé il n'y a pas plus tard que 48 heures, je ne le vois pas partir à Noël. Je pense qu'il va rester. Il va honorer son contrat. Le club, maintenant, quelque part, lui appartient. Il a bien fait de faire cette chevauchée au milieu du terrain en fin de match pour cacher cette fameuse banderole qui était anti-Marcelo. C'est tout à son honneur. Et je pense que même seul, un peu isolé, c'est vrai, il peut encore faire grandir cette équipe et leur donner ce leadership qui manque parfois à l'Olympique lyonnais. Alexandre. Moi, je n'ai pas la même vision que toi, Snorri, concernant l'Olympique lyonnais. Alors oui, ils sont passés, ça a été quand même râle et pâquerette, mais au niveau du jeu, je n'ai pas vu non plus d'évolution. Pour moi, Rudy Garcia, avec ce match nul et ses qualifications, finalement, il a obtenu quoi? C'est un sursis supplémentaire, parce que ça n'a pas non plus changé l'avis des supporters sur son bilan en tant qu'entraîneur. Donc à mon avis, voilà, il va passer de meilleures fêtes que s'il avait perdu, ça c'est sûr, mais il se donne un sursis, voilà, jusqu'au mois de janvier, février. Après on va voir en fonction de comment ça se passe en championnat. Memphis Depay, excellent joueur, mais trop irrégulier. On attend justement de ce type de joueur, quand on lui donne le brassard, qu'il est capitaine, qu'il montre l'exemple à ses coéquipiers et qu'il soit là à chaque match. On ne peut plus se permettre de choisir ses matchs et puis de lever le pied quand on joue contre des petites équipes à droite à gauche, parce que forcément, c'est moins fascinant, c'est moins... Voilà. Ça, c'était ma parenthèse concernant l'Olympique lyonnais. Sur la vision globale des qualifiés en Ligue des Champions, tu le disais, des équipes des cinq grands championnats européens, donc la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Pas de club portugais cette année, pas d'Ajax. Pas de club de l'Est, petite surprise comme on a envoyé de temps en temps. Donc forcément, c'est vrai que... Et finalement, ça va dans le sens de la proposition de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui voulait faire une Ligue des Champions fermée avec les 20 plus gros clubs des championnats européens.
finalement, on voit que même sans mettre un cadre légal autour de ça, mais finalement, naturellement, la tendance tend vers ça. La sélection. Alors, même moi, si, alors, mais... voilà, après, je voulais quand même dire, il y a quand même une surprise qui n'est pas dans un championnat étranger, mais qui est dans le championnat italien, c'est la belle histoire de l'Atalanta. Ça, c'est vrai que c'est la petite surprise, parce qu'après trois journées, à l'issue des phases allées de la Ligue des Champions, ils avaient zéro point. Ouais. Ça semblait mission impossible. À la quatrième journée, ils avaient un point. C'était insurmontable. Finalement, en remportant les deux derniers matchs, ils se qualifient. D'ailleurs, en Italie, on ne parle pas de la qualification de la Juve. On parle un petit peu de la déception de l'Inter, mais on parle surtout du compte de fait de l'Atalanta, qui surfe sur sa bonne saison de l'année dernière. Même si en championnat cette année, c'est un peu moins bien, mais finalement, la belle histoire se poursuit en Ligue des Champions avec ce groupe de joueurs. Adversaire potentiel du Paris Saint-Germain. Adversaire potentiel du Paris Saint-Germain. Et puis, j'ai envie de dire, bon, c'est vrai que sur le papier, il n'y a pas des noms ronflants, mais se retrouver confronté à ce genre d'équipe qui n'a plus rien à perdre, où chaque match est un bonus, attention, ça peut être une équipe piège à prendre au tirage au sort. La surprise n'est-elle pas l'élimination prématurée de l'Ajax d'Amsterdam, Snorri? Et puis, dans une moindre mesure, celle de l'Inter de Milan. C'est dur parce qu'ils jouent bien, mais ils ont quand même été dépouillés de joueurs trop importants sur les deux dernières années. Dans la poule, dans cette poule, il y avait vraiment... Quand tu vois le match contre Chelsea, on ne peut pas parler de joueurs dépouillés. Le match aller contre Chelsea, tu mènes, ils menaient 3 ou 4-0. Ouais, ils se font rattraper. Non. Bah, quand même, je pense qu'il y a un excès de confiance quelque part. Alors, mais ils ont perdu Frankie de Jong, Mathias de Ligt, ils ont perdu leur colonne vertébrale, Van de Beek qui va déjà au Real. Tu l'as pas vu quand ils ont affronté deux fois Lille. C'est marrant parce que je lisais le Télégraphe ce matin, le journal néerlandais, et dans la page football, donc sport, ils parlent beaucoup plus du gros match de ce week-end qui va être Ajax contre l'AZ Alkmaar, qui se trottent tous les deux les premières places de l'Eredivisie, beaucoup plus que l'élimination de l'Ajax, car pour les Hollandais, ce qui s'est passé l'an dernier avec l'Ajax, c'était un épiphénomène et la place vraiment de l'Ajax, de Feyenoord, voire des autres clubs néerlandais, actuellement du PSV, c'est l'Europa League. Bon, plus le PSV, mais ce que après, veut dire, c'est ça. Il faut relativiser parce que l'Ajax est éliminé, mais avec 10 points. Oui, c'est dur. C'est pas comme si elle avait fait une mauvaise campagne. Elle a fait une campagne pleine, mais sauf que c'est confronté à deux équipes. Les points perdus à Chelsea, par exemple. Ils sont là. Du coup, tu retrouves Chelsea qualifié et tu retrouves Valence. Alors, pour en revenir à cette histoire de la fameuse ligue fermée, je trouve malgré tout, c'est mon avis, que les dés dès le départ sont pipés parce que tu as déjà plus de billets d'accession au tour préliminaire et aux phases de poule dans les grands clubs, dans les grands championnats, que pour les petits championnats. Et tant qu'il n'y aura pas, on en parlait la dernière fois avec Cédric Centime, tant que tu n'auras pas un vrai système de coupe, ça sera toujours les gros clubs qui seront avantagés ou les gros championnats, parce que dès le départ, ils démarrent avec 2 ou 3 prétendants dans les poules. Donc à la fin, si tu as déjà 3 prétendants sur 16, tu es déjà bien placé à la fin pour en avoir après, plus. Après, Snorri, je pense Moi, je suis contre cette ligue fermée, mais c'est comme. Moi, je suis contre cette ligue fermée. J'aime la diversité, voir du football différent de ce qu'on voit d'habitude. Après, je ne peux pas aller dans ton sens en disant, donnons 5 tickets d'entrée au championnat bulgare. Donnons la chance aux champions. Après, ça ne sert à rien d'inviter des clubs pour qu'ils se fassent dégommer. À mon avis, c'est pour ça que cet équilibre est à trouver, justement. Mais il y a toujours des belles surprises. On a eu Monaco, entre guillemets, parce que bon, c'est un club français, mais qui a eu un joli parcours en 2017. Il y a eu l'Ajax. On en a plein des exemples où des clubs surprises, même des clubs de l'Est. On a connu le Dynamo Kiev il n'y a pas très très longtemps, par exemple. Voilà, il faut garder cette ouverture, mais en même temps, maintenir le niveau de cette Ligue des Champions et pas non plus laisser n'importe quelle équipe rentrer dedans. J'ai toujours l'impression, tu sais, qu'on met finalement la seconde partie de l'Europe vraiment dans la C3. Krasnodar. C'est un moyen, mais c'est un moyen pour ces équipes-là d'engranger de l'expérience. Il y a des Malaga qui ont fondu, qui ont été très loin sous l'époque Toulalan en C3. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, je me dis, il y a vraiment. Le fait de faire une Ligue fermée, ça va encore plus faire de séparation entre la C3 et la C1. Et la C3, ça devient l'écart va être plus important. Vraiment les miettes quoi, qui te restent à la fin. Quand tu arrives à la fin d'un buffet, qu'est-ce qu'il reste à manger? Il ne reste plus que ça, ce que ces gens n'ont pas pris. Et tu vas prendre ça à manger le jeudi soir. Je trouve ça dommage. Alors les amis, rapidement sur le Paris Saint-Germain, fidèle à son habitude, Paris qui rayonne en phase de poule. Pour moi, c'est mieux. Le match là contre Galatasaray, c'est une démonstration de ce qu'ils peuvent vraiment faire. Et ma crainte, c'était que Thomas Tuchel perde du temps à tout le temps. Alors, encore une fois, il fait encore des changements. Il change tout le temps son 11 de départ. Moi, ça me pose un vrai problème parce qu'il limite
les habitudes, il limite les circuits préférentiels, il limite les réflexes que l'on va avoir parce qu'on sait que tel joueur... Voilà, avec l'enchaînement de matchs, peut-être qu'il voilà. faut aussi préserver. Puis on a vu que ça casse bien du côté du Paris Saint-Germain en ce moment. Gay est blessé, voilà. il y a quand même pas mal de blessés. Alors la question est là, c'est qu'à mon avis, il prépare plus ou moins bien le truc. Et ce que ma crainte, c'est qu'il perde du temps et qu'il ne soit pas prêt en février, parce que ça va arriver vite, février. C'est dans un mois et demi finalement, voire deux mois. Dans deux mois, le PSG va jouer sa saison. Donc ma crainte c'était ça, mais le match contre Galatasaray m'a rassuré. Si Mbappé et Neymar décident de défendre à 30 mètres de leur but, le PSG peut aller très très loin cette année, parce que c'était ce qui leur manquait. Même Icardi, qui n'est pas un fervent joueur connu pour vraiment être un défenseur de première ligne, comme peut l'être par exemple Giroud, on l'a vu en 2018, qui était vraiment le premier... Ou Cavani. Eh bien même Icardi a fait cet effort. C'est pas Edinson Cavani, c'est chevauché box-to-box, mais c'est quand même plus probant si le PSG joue comme ça. Il a clairement ses chances pour aller plus loin que les huitièmes, voire même attaquer en quart et avoir peur de personne. Adversaire idéal du Paris Saint-Germain en huitième de finale, Alexandre ? J'ai envie de dire, le plus à sa portée, ce serait l'Atalanta, on en parlait tout à l'heure, mais... C'est pas bon pour finalement, peut-être que face à une équipe qui n'a plus pas de pression, est-ce que ce serait vraiment le bon tirage ? Je pense pas. Sur le papier, en tout cas, ce serait l'Atalanta, la plus faible équipe de qualifiée pour le prochain tour. Après, moi, je voulais rajouter, bon, le PSG a gagné son match, je suis d'accord, mais quel était l'enjeu de ce match ? Voilà, c'était un match sans enjeu. Galatasaray qui, à mon avis, a montré quand même un visage très très faible sur cette rencontre. À mon avis, il ne faut pas se baser... Le piège des Parisiens, ce serait de se baser sur cette rencontre pour la suite de la compétition. Je suis clair. Attention. C'est vrai que Paris a fait un match plein. Je pense que si ça permet de relancer quelques joueurs, mais... Il ne faut pas se baser sur ce match-là pour la suite des événements. Le match référence il y a pour le Paris Saint-Germain, c'est PSG Madrid, le match aller. Oui. Oui, ça, très bien. C'est... Ça peut pas s'emballer. L'Atlético a fini deuxième. Oui. Moi, j'aurais bien l'Atlético contre le PSG. Ouais. Vraiment, parce que c'est un vrai test sur les équipes qui vont défendre très bas, et c'est ce que scoltine le PSG tout le temps, mais là, un niveau au-dessus. Et c'est une équipe qui espère toujours aller loin et qui va souvent loin en Coupe d'Europe et qui est habituée aux joutes européennes. Pour moi, l'Atlético, ça serait le tirage idoine pour vraiment jauger pour le PSG. Et puis, pour refermer cette page de Ligue des Champions, si vous permettez, les petites révélations de cette édition, enfin de cette phase de poule, parce que bon, sur ce plateau, on a donné quelques noms par le passé, comme Nicolas Pépé avec la carrière qu'on lui connaît maintenant. Moi, je retiendrai deux joueurs. L'attaquant de Salzbourg, le Norvégien Haaland. Des stats impressionnantes, 19 ans, 8 buts en 5 matchs. Bon, ben voilà, véritable révélation et... Je parie qu'il va bientôt partir pour rejoindre le plus grosse écurie. Et puis un deuxième joueur aussi qui m'a marqué, c'est l'Espagnol du Dinamo Zagreb. Comment il s'est retrouvé là ? J'en sais rien. C'est Dani Olmo, 21 ans, qui a encore mis un but magnifique contre Manchester City. Là, la reprise de volée directe avec la passe en transversale derrière. Enfin, techniquement, c'est du lourd. Voilà, le choix du Dinamo Zagreb pour accéder à la Ligue des Champions et avoir une visibilité, c'est le sien. Ça peut s'avérer payant. Enfin, moi, je trouve qu'il m'a tapé dans l'œil. À suivre, je verrai bien retourner en Espagne dans une grosse écurie aussi dans les prochains mois. Bon, messieurs, autrement, les cadors sont là, l'Inter qui s'est fait éliminer, mais bon. C'était le groupe de la mort avec Dortmund, Barcelone. Le Barça toujours là, le Real toujours là, le Bayern de Munich sera également présent, l'Italie présente avec, en plus de l'Atalanta, on l'a dit, la Juventus de Turin, ça c'est du lot. L'Espagne très bien représentée quand même. Voilà, c'est le G20 du foot qu'on va avoir. Hein. Quatre clubs espagnols avec le Real, le Barça, Valence et l'Atlético. C'est du costaud. L'Angleterre avec donc deux représentants. Liverpool, City et Chelsea. Voilà, donc le retour également des rose beef, comme on les appelle. Est-ce que l'Inter, Alex, toi qui suis beaucoup la Serie A, est-ce que l'Inter finalement est trop limité pour jouer les deux tableaux? Je savais qu'on allait aborder cette question. C'est pas qu'elle est trop limitée, mais connaissant Antonio Conte, lui, sa priorité, c'est le championnat. Il voulait quand même marquer les esprits en Ligue des Champions, pas passer pour une truffe face à des grosses équipes. Ouais. Je pense que, bon, c'est vrai qu'en Italie, on est quand même déçus parce qu'on sentait que la qualification était à portée de main. Il l'a touché du doigt et finalement, elle l'aurait passé sous le nez. Il ne faut pas enlever qu'ils ont quand même fait une belle campagne. Ils n'ont pas été ridicules du tout contre le Barça, contre Dortmund. Ouais. Mais à mon avis, cette année, Conte va tout miser sur le championnat. Comme il a fait quand il arrive à la Juve. C'est ce qu'il fait dans tous les clubs où il passe. Ouais. Et Chelsea, la Coupe d'Europe, ça viendra plus tard. Mais la première année, c'est toujours le championnat qu'il vise. C'est vrai.
Non, c'est peut-être, c'est, ça, ceci, c'est l'analyse que je tiens. Ceci doit expliquer cela. Petite statistique, messieurs, avant de refermer cette première partie de l'émission. Le nombre de participations aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2003-2004. Le Real de Madrid, 17. Le Bayern de Munich, 16. Le Barça, 16. Le Chelsea, 14. Arsenal, 14. La Juventus de Turin, 11. Et Lyon, 11. C'est quand même impressionnant donc de régularité, ouais, pour certaines grandes équipes d'Europe. Hein. Et le petit, dans le classement, le petit poussé, c'est Lyon, le dernier nommé, mais ça reste quand à égalité même, avec la Juve. Ça reste, ouais, quand même finalement très, très honorable. Alors, effectivement, parfois, ils ont eu des groupes un peu bateaux, enfin, des groupes un peu faciles. Mais pour un club qui tourne à autant de budget que l'Atlético Madrid, c'est pas mal de faire 12 sur 16. Les amis, c'est l'heure du quiz de cette émission. Ouh, vous savez qu'il y a un quiz, mon cher Alexandre, vous qui venez pour la première fois depuis très longtemps. Ah oui, oui. Eh bien, nous avons un quiz et ce quiz donc va se disputer entre vous deux. Ce sera un beau duel, les amis, entre Snorri et Alexandre Giraud. Les amis, à Lyon, c'est qui, il a dit, ils nous ont craché dessus. Est-ce Marcelo, Depay ou Marsal? Depay. Le point pour Snorri. Quel grand entraîneur a dit « Je n'ai jamais démissionné » Est-ce Mourinho, Ancelotti ou Sampaoli? Ancelotti. Le point pour Alexandre Giraud. Un partout, messieurs. C'est d'actu, ça. Messieurs, c'est qui? Il a dit « J'ai tellement envie de match entre la France et l'Algérie ». Benzema. Deschamps, Le Graët ou Maracinao? Ah non. Ah ouais. Le Graët. Le Graët. Ouais, 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 ouais. Le point pour Snorri qui mène 2-1. Ouais. Messieurs, parmi les trois entraîneurs des clubs français en Ligue des Champions, lequel a dit « Je n'ai aucun regret » Est-ce Tourelle, Galtier ou Garcia? Ah ben Garcia, j'imagine. Eh bien, le point pour Alexandre Giraud qui égalise, de partout. Garcia, de costaud. Bah, il s'est éliminé, oui, c'est logique qu'il dit ça. Allez messieurs, deuxième partie du quiz qui concerne le dernier match de la grille du Loto Foot 15. Je rappelle que c'est la grille numéro 152 et qu'il faut la valider avant samedi 14 décembre à 14h55. Depuis 1971, combien de fois le Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain se sont-ils affrontés? Est-ce 82, 83 ou 84 fois? Ouais, ça fait un paquet quand même. Hein. 84. Le point pour Snorri Sénécal qui reprend la main, qui mène donc 3-2. Messieurs, à quand remonte la dernière victoire de Saint-Etienne face au Paris Saint-Germain? Est-ce le 3 novembre 2012, le 3 novembre 2013 ou le 3 novembre 2015? Moi, je dirais 2015 quand même. Avec sous Emery, ouais, c'est possible. Ouais, j'aurais dit 2015 aussi. Ben, on s'est planté. Donc, on s'est planté tous les deux. Non. Votre deuxième... Bah, 2013 alors. Ah ben non. C'était 2012, ah, c'était 3 novembre 2012 au Parc des Princes. Et c'était une victoire 2-1 des Stéphanois. Messieurs, 3-2 toujours pour Snorri. Mmh. Depuis cette défaite, justement, combien de matchs se chiffre la série d'invincibilité du Paris Saint-Germain face à son autre Stéphanois? Toute compétition confondue. Est-ce 18, 19 ou 20 rencontres? J'aurais dit... 18, je veux dire. Je fais le calcul. Tu dis 18. Snorri. 3 par match, 3 par saison. 18 aussi, ouais. Non. Non, mais... Bah, c'est plus... Ouais. Deuxième chance, messieurs. 20. Non, c'était 19. C'était 19. Le point pour personne. Toujours 3-2 pour Snorri. Si Snorri marque le point, il gagne le quiz. Si Alexandre marque, il le gagne, il l'égalise. Quitte ou double. Quitte ou double. Bah oui. On est d'accord. Messieurs, au bout des 84 confrontations entre ces deux formations, combien de fois Saint-Etienne a gagné? Est-ce 13, 26 ou 45 fois? Ouais. 45. 26. Non, c'était 13. 13 fois. C'est tout. Victoire de Snorri. Oui. 13 victoires pour Saint-Etienne, 26 matchs nuls et 45 victoires pour Saint-Etienne. Même à l'époque des Verts, peut-être que le PSG était tout neuf aussi. Donc ouais. Le PSG sont arrivés après. Ils sont arrivés en 71. Ouais, c'était, donc ouais, et le Saint-Etienne, le grand Saint-Etienne, c'est 74, 76. Ouais. Voilà. C'était cette période-là, les 13 matchs. C'était les 13 victoires de cette époque-là et après, la roue a tourné. Messieurs, merci pour cette première partie d'émission. On se retrouve dans un court instant après cette page de pub pour la deuxième partie, une deuxième partie consacrée à la grille du Loto Foot 15. Il y a 2 millions d'euros à gagner. Installez-vous confortablement. On va vous les faire gagner. Vous allez voir.